Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez effectuer un échange dans la plateforme AfriExchanger. Alors, une fois que vous vous rendez dans la plateforme AfriExchanger, l'une des premières choses que vous devrez faire, c'est de vous connecter. Si vous avez déjà un compte, si vous n'avez pas encore un compte, veuillez tout simplement à vous inscrire. C'est aussi simple que ça. D'accord? Une fois que c'est bon, la deuxième des choses à faire, c'est la deuxième étape, la première étape, c'est de vous connecter ou créer un compte si vous êtes nouveau en fait. C'est la première fois que vous voyez cette vidéo, peut-être vous avez l'intention, vous cherchez à faire un échange de vos peut-être crypto tels que USDT ou Tron ou encore Perfect ou Payeer. Vous devrez d'abord vous inscrire, ça c'est l'une des premières des choses à faire. Et l'une des deuxièmes des choses, c'est venir tout juste en bas ici. Là, c'est là où c'est écrit fonds disponibles. Vous devez vous rassurer que le transfert ou l'échange que vous voulez faire équivaut à l'argent que la plateforme possède à leur possession. Ok? C'est très important parce que sans ça, vous ne pouvez pas effectuer votre transfert. Exemple, si vous voulez acheter le dollar Perfect des 60 dollars et que la plateforme dispose que de 50, c'est comme nous le voyons là, ça ne va pas passer. Donc, vous devrez d'abord vérifier les fonds disponibles dans la plateforme. Si vous voyez que le solde équivaut à ce que vous voulez envoyer ou c'est peut-être moins de ce que vous voulez envoyer, c'est en ce moment-là maintenant que vous allez venir faire votre exchange. Alors, pour un cas d'exemple, nous allons prendre le dollar Perfect, c'est-à-dire j'ai le franc congolais ou j'ai le dollar qui est généralement utilisé en RDC, que je vais échanger contre les francs, plutôt contre les dollars Perfect. Qu'est-ce que je vais faire? Aussi simple que ça, je viens maintenant ici. Après avoir fini avec les deux étapes, je viens dans la troisième étape, je viens sur envoyer. Envoyer. Ici, je vais mettre M-Pesa ISD, ou bien encore Orange Money, franc congolais. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Je viens là, je tape M-Pesa ISD, donc M-Pesa dollar, et je viens sur, je clique plutôt sur recevoir, vu que c'est, je vais acheter en fait le Perfect, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Perfect Money, c'est-à-dire je donne les dollars qu'on utilise en RDC pour recevoir le Perfect Money, ok? Donc, vous pouvez faire aussi vice-versa, ok? Vous pouvez mettre par exemple ici, si vous avez de Perfect, vous voulez changer pour avoir les francs congolais, vous allez venir ici sur Perfect, ok, vous mettez un peu ça, c'est des francs, d'accord, vous cliquez échange. Alors ici, selon le cas de figure de cet exemple, nous allons acheter le Perfect, ok. Donc dans ce cas, je vais mettre envoyer le dollar un peu ça pour recevoir les dollars Perfect. Et puis je clique sur échange, échanger tout simplement. Et une fois que c'est bon, on vous met d'ailleurs les étapes. Étape in, ici vous êtes dans la première étape. Et on vous dit que le processus est semi-automatique. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière, après votre transaction, à vérifier ce que vous avez envoyé, est-ce que ça vient réellement de vous ou pas, avant de confirmer. Il y a des gens, il y a une équipe spécialisée pour ça. Vous voyez, et c'est très compliqué de pouvoir avoir une arnaque et tout, donc c'est vraiment sécurisant en quelque sorte, si je pourrais le dire comme ça. Et exemple, moi je vais acheter, ça c'est les taux, c'est-à-dire 1.3, les taux des dollars, c'est-à-dire si vous envoyez, par exemple, ici je vais prendre l'exemple des 10 dollars, c'est-à-dire j'envoie 10 dollars M-Pesa. Voilà, une fois que vous mettez 10 dollars un peu ça, peu importe la somme que vous voulez, ça va directement vous donner l'équivalent de ce que vous allez recevoir en francs, plutôt en dollars Perfect de monnaie. Ok, donc il y a un calculateur automatique. Je peux mettre par exemple les 30. Donc quand je mets 30, ça vous donne directement et automatiquement l'équivalent de ce que vous allez recevoir en dollars Perfect monnaie. Et tout en sachant que le minimum c'est 3, le minimum accepté pour faire votre transaction c'est 3 dollars. Vous pouvez pas aller, vous pouvez pas être dans moins de 30. Si je mets par exemple 1 comme ça va pas tenir. Je vais mettre
Et comme ça, si je clique sur suivant, ça va pas tenir en fait. Vous voyez, montant minimum c'est 3 USD. Donc montant minimum c'est 3 dollars. Donc je vais mettre 10 dollars. Voilà, je vais mettre 10 dollars. Ça me donne l'équivalent de ce que je vais recevoir. Puis je clique sur suivant. Donc voilà, ici vous allez mettre vos informations de paiement. Vous n'avez pas besoin de mettre les noms complets parce que ça va s'afficher automatiquement parce que vous êtes déjà enregistré dans la base de données de la plateforme. Sur le nom complet, c'est déjà mis automatique. Vous allez sauter directement pour arriver dans votre numéro de portable. Ici, mettez uniquement le numéro que vous avez utilisé pour effectuer votre transaction. Vous voyez? Ici, je vais mettre le numéro. Voilà, ça c'est un exemple que je mets là, que je donne. Et puis ici, votre compte Perfect Money. Vous mettez votre coordonnée Perfect Money. Ça c'est le coordonnée auquel que la plateforme va utiliser pour vous envoyer les perfects que vous voulez acheter en fait. Vous mettez, je mets l'exemple. Par exemple, je vais sur suivant et tenez à cocher aussi j'accepte le terme et conditions, c'est très important. Et puis la deuxième étape, step 2. Ici maintenant c'est l'étape de procéder au paiement. On va lire ensemble notre compte M-Pesa accrédité va effectuer le transfert sur notre compte indiqué ci-dessous. Va effectuer votre transfert sur cette adresse. OK. Ici c'est le numéro de téléphone auquel vous allez effectuer votre transfert. En M-Pesa, OK. Et titulaire, ça c'est le nom de celui auquel vous allez envoyer l'argent, celui qui va recevoir. C'est-à-dire après avoir lancé le processus de transfert, il y a un nom qui va apparaître. C'est ce nom que vous verrez. Et notez bien, les frais de retrait sont inclus dans le montant que vous payez. Et c'est ce qui est exceptionnel avec cette plateforme AfroExchanger. C'est-à-dire, vous faites les transferts sans pourtant payer les frais de transfert en fait. Ok, vous allez uniquement payer comment je dirais les réseaux en fait que vous allez utiliser un peu ça, il y a quelques frais que ça va couper. Mais au-delà de ça, vous allez recevoir votre argent intact. Si c'est 7 dollars, vous recevez 7 dollars. Il n'y aura pas d'autres frais qui sera retranché après votre transfert. Vous allez recevoir exactement ce que vous avez vu affiché comment je dirais, dans la procédure. Une fois que c'est bon, vous confirmez maintenant votre adresse Perfect Money ici. On va confirmer. Je sais pas si ça va marcher parce que l'adresse Perfect que j'ai mis là en premier lieu, c'est pas la bonne adresse. Ça, c'est juste pour un exemple, ok? Donc, je laisse ça comme ça, on verra. Une fois maintenant que vous finissez de remplir toutes ces informations, allez maintenant faire votre transfert. Donc, effectuez votre transfert. Une fois que c'est bon, faites la capture. Ça va servir à la plateforme comme preuve de paiement pour se rassurer que c'est réellement vous qui avez envoyé cet argent-là. Vous voyez? Parce qu'il y a une équipe spécialisée pour traiter chaque transfert, en fait, chaque transaction, en fait, si je pourrais le dire comme ça. Donc, c'est vraiment sécurisé, c'est très très rare, c'est très rare de voir des arnaques. Il y en a pas en fait, vu que ce sont des emails qui sont derrière pour vérifier si c'est bel et bien vous qui avez effectué ces transferts. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Alors, après avoir mettre votre preuve de paiement, ici je vais juste mettre un exemple. Je vais mettre un exemple ici d'une photo qui n'est pas forcément, hein, qui n'est pas forcément une preuve de paiement. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment les processus ça marche. Je mets par exemple, je vais mettre ça. Ok, je mets ça. Voilà. Et après, vous descendez, vous allez voir un petit chèque ici. Non, en fait, ça, c'est en fait. Le récit, en fait, je pourrais dire, c'est votre évaluation en quelque sorte. On va mettre tout ce que vous avez renseigné là. Numéro de référence de votre paiement, c'est celui-ci. Vous envoyez l'ISD pour recevoir. Voilà, taux du jour, vous voyez les taux. Voilà, date de l'échange. Et total envoyé, c'est 10 dollars.
M-Pesa. Et vous recevez 7 points. Si je pourrais arrondir à 7 dollars, ouais, 7,7. Bah, je ne sais pas si forcément on va vous envoyer ça. Le plus souvent, on va vous envoyer la somme nette. Il n'y a pas de décalage parce que c'est du business, faut le savoir. Alors l'essentiel, on descend un tout petit peu en bas ici. Nous avons reçu votre commande. Votre commande sera traitée après réception. Votre transfert sur notre compte, voilà. Le montant de votre commande a été réservé pendant 15 minutes. Vous devez effectuer le transfert avant la fin du compte. Et bon, voilà, vous avez 40, à peu près, je crois, c'est 50 minutes qu'on va vous donner à mettre tout au propre, en fait. Mettre faire les transferts, mettre la capture ici et ensuite maintenant cliquer sur transfert effectué. Voilà. Voilà, nous avons réussi votre commande. La vérification de votre paiement ne prendra que quelques minutes. C'est rapide, rassurez-vous. Votre commande sera traitée dès confirmation de votre transfert. Donc, c'est pour dire que pour que votre commande soit traitée, vous devez d'abord transférer l'argent, en fait. Et de deux, insérer la capture d'écran qui signifie réellement que c'est vous qui avez envoyé l'argent. C'est en ce moment-là que votre commande sera vite traitée. Mais si vous faites le contraire, votre commande pourra durer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et une fois que c'est bon, vous pouvez mettre votre avis. Hein? Excellent, très bien et tout. Ça aide en fait la plateforme à savoir le service a été bien fait ou peut-être s'il y a des failles. Voilà, ça va les aider à s'améliorer s'il y a des failles. Ou bien s'il y a peut-être, je sais pas, de malentendus, voilà, parce que ça arrive parfois. Et si vous mettez votre nom, titre de votre avis, dites ce que vous pensez, voilà, de notre service, voilà, comment vous avez trouvé le processus, est-ce que c'est long, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile, ça vous plaît, tout ça, la mettez là, ça va aider en fait la plateforme à évoluer, et après vous soumettez tout simplement, d'accord. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider parce que c'est une plateforme que moi j'utilise généralement. Le plus souvent, c'est que moi j'utilise. Et il y a plusieurs personnes aussi qui sont en fait contents de ces services. On peut voir des avis. Hein. Venez ici sur les trois traits horizontaux qui sont juste en haut à droite. On vient sur avis client. On va voir des avis. Voilà. Voilà, merci pour avoir relancé la plateforme le plus simple et le plus sécurisé. Vous voyez, Afrique Changer, nous espérons que la liquidité ne sera pas un problème et qu'à la longue, nous pourrions recevoir des paiements via votre compte PayPal. Voilà, ce sont des suggestions. Raison pour laquelle c'est important de mettre vos suggestions, vous mettre en fait votre ressenti, comment vous avez trouvé la plateforme, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore, qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute comme peut-être moyen de paiement comme celui-ci. Ça aide vraiment la plateforme à évoluer ici. Merci beaucoup pour votre application. Lui, il a rien mis, il a juste mis 5 étoiles. Ça signifie que le travail était bien fait. Excellent, top, excellent. Salut, merci. Je voudrais avoir des ISDT. Ouais, ici, à ce moment, il n'y avait pas d'ISDT. C'était sa plainte. Donc, il n'a pas été satisfait dans ce sens-là. Mais en ensemble, les services ont été bons. Ici, excellent, impeccable et surtout fier. Vous pouvez défiler, vous allez trouver plusieurs avis. C'est pour vous dire que c'est fiable, c'est rapide. Donc, sur ce, on se capte pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera en fait un plaisir de répondre. Alors, on se dit ciao.